Chaque jour, des milliers de personnes vous protègent sur les routes du Québec. Pour les protéger à leur tour, voici quatre manœuvres possibles. Manœuvre 1. Lorsqu'un véhicule est immobilisé sur l'accotement, gyrophare ou feu clignotant actionné, vous devez respecter un corridor de sécurité en ralentissant, puis en vous éloignant de ce véhicule. Manœuvre 2. Lorsqu'un véhicule est immobilisé sur l'accotement, gyrophare ou feu clignotant actionné, vous devez respecter un corridor de sécurité en ralentissant, puis en changeant de voie après vous être assuré de pouvoir le faire en toute sécurité. Manœuvre 3. Lorsqu'un véhicule est immobilisé sur la voie, gyrophare ou feu clignotant actionné, vous devez respecter un corridor de sécurité en ralentissant et en vous immobilisant au besoin pour céder la priorité au véhicule circulant en sens inverse, puis en changeant de voie. Manœuvre 4. Lorsqu'un véhicule est immobilisé sur la voie sur laquelle vous circulez, gyrophare ou feu clignotant actionné, vous devez respecter un corridor de sécurité en ralentissant et au besoin en vous immobilisant, puis en changeant de voie après vous être assuré de pouvoir le faire en toute sécurité. À défaut de respecter le corridor de sécurité, vous risquez une amende de 200 à 300 $ et 4 points d'inaptitude. C'est la loi. Protégez ceux qui vous protègent. Respectez le corridor de sécurité.